Salut les gars, aujourd'hui on se fait une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de faire ce haul. Je suis grave en retard, wesh, qui se rappelle. Dans mon précédent haul que je mets bien sûr en barre d'infos, j'avais dit ouais, prochain haul dans une semaine, ça arrive et tout, du lourd. Les petits looks glamour, les trucs sexy, summer vibes. Les gars, je filme à la rentrée, fin de la rentrée carrément. Il y en a, ils ont déjà leur bac. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc tout ce que j'ai acquisitionné pour la rentrée. Parce que je voulais des looks un peu professionnels. Alors, t'as capté, bon, pas professionnels, mais chill et genre assez bien habillé. Et pour l'été, je voulais quelques robes. Et ça, ça me ressemble pas. Je ne mets jamais de robes. Là, j'en ai pris 5. 5 ou 4, je sais plus. Mais en tout cas, elles sont trop belles. Je suis vraiment surprise. Elles me vont toutes super bien. Je fais un petit instant promo parce qu'on peut pas y échapper. J'ai reçu plein de petits trucs assez cool que je vais vous présenter. Je pense que vous connaissez pas Christine, j'en ai un peu trop parlé. C'est la marque de lentilles coréennes qui m'envoie régulièrement leurs nouvelles lentilles. Donc là, ils ont sorti des nouvelles couleurs. En plus, ils ont des couleurs. Oh, c'est super beau. Bien sûr, j'ai un code promo qui s'affiche juste ici et je vais aussi en barre d'infos avec le lien du site. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec des fournitures parce que oui, la petite elle veut écrire. J'ai acheté 3 cahiers et des color pens. Tout simplement des stylos à couleurs. C'est pas vraiment des feutres, c'est vraiment des stylos. Donc on a toutes les couleurs essentielles, violet, bleu, gris, rose par respect. Donc, la mine elle est toute petite et c'est ça que j'aimais parce que moi j'aime pas les mines trop grosses, j'arrive pas à écrire avec. Quand c'est petit, je m'applique. Je fais les choses bien. Ensuite, j'ai pris donc 3 notebooks parce que j'ai plus de cahier d'alu rose. Genre un petit rose bonbon, un petit rose clair. Et on a un violet et j'ai acheté un bleu aussi pour ma soeur. Tous les liens des articles sont bien sûr en barre d'infos, je mets même des petits bonus. N'hésitez pas à passer par mes liens parce que j'ai toujours un petit pourcentage. Donc si vous achetez par mes liens, j'ai toujours un petit pourcentage. Merci. J'ai pris plein de petits tops trop mignons. On va commencer par celui-là. C'est celui que je porte dans mon haul précédent. Du coup, le voilà. Je l'aime bien. Il fait très élégant, je trouve. Il est bien taillé. Il est très bien taillé. Et il est vraiment top. Genre crop top. Le seul petit problème, c'est que comme vous le voyez dans le try on, les manches sont super courtes. Les matières des styles sont très petits. Donc quand vous commandez sur le site, prenez toujours une ou deux tailles au-dessus. Franchement, moi, je prends toujours une taille au-dessus parce que je sais que je suis pas très grande ni très petite. Je fais 1m68. Du coup, ça va. Tu vois, encore ça va, mais dites-vous, il y a des mannequins, elles font vraiment 1m55, 63 max. Vraiment. Oh my gosh, I love it. J'en voyais plein sur Insta. J'aime trop les motifs, je ne sais pas comment ils s'appellent. Normalement, ça se porte avec. Enfin, pas normalement. En vrai, tu mets ce que tu veux. Il y en a qui le mettent avec une chemise, avec un t-shirt long. Moi, personnellement, je voulais rien mettre en dessous. Alors, je l'ai acheté exprès pour ne rien mettre en dessous parce que je savais que j'allais le rock. Period. Suivant, nous avons mon bébé. Donc, lui, c'est mon coup de cœur. Là, il ressemble un peu à rien. Mais il s'attache, il a des boutons. Vraiment, il est trop beau. Il me va parfaitement. Il me semble que c'est un one size. Ensuite, toujours dans le summer vibe things, on a ce petit haut léopard. Je n'ai pas fait de try on, mais je vous mets des photos. En fait, c'est un haut basique, il n'y a pas de. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Il fait son job. Je pensais avoir perdu ce top. Du coup, j'en ai commandé un autre, mais entre temps, j'ai retrouvé celui-là. T'as capté? Et c'est pas grave parce que je suis trop contente d'avoir trouvé ce top par rapport au blanc que j'ai sur moi. Celui-là, il n'est pas crop top. Mais celui-ci, si, et c'est trop bien. Je pense prendre le noir aussi et le blanc. Ça fait très longtemps que j'ai ce t-shirt. Je trouve trop beau. Oh mon dieu, j'aime trop la marque. D'ailleurs, ils vendent beaucoup de t-shirts comme ça. C'est une marque streetwear. Je crois que c'est New Hin. De toute façon, les liens en info. Et les tailles aussi. Celui-là, c'est mon coup de cœur, clairement. Il est vraiment oversize. C'est la première fois qu'ils mettent oversize. Et que c'est oversize, les gars. Je suis trop satisfaite de ce haut. Ensuite, j'ai pris un ensemble. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. Je pense qu'il me reste un peu de budget, genre. Et je me suis dit, vas-y, il est cool. Mais voilà, il n'y a pas de suite. Ensuite, on a ce que j'ai sur moi. Donc, comme je vous l'ai dit, ce petit top qui est trop mimes. Tank top, American vibes. Vibes. Je vais porter de ouf en Corée. Et on a cette veste, c'est un gilet surtout. Un gilet orange et rose. Je ne sais même pas s'il est encore disponible. Il y a des articles qui ne sont pas disponibles, mais des similaires. Elle est trop belle. Et les manches, elles sont super longues. Enfin, elles sont super longues. J'aime bien les manches comme ça, où il y a un petit côté resserré. Tu vois, après là, c'est un peu. Si vous avez regardé mon haul précédent, je vous avais présenté un pantalon beige très chou. C'est qui m'allait bien, mais il était un peu trop serré et je me sentais un peu. Je dois respirer. Du coup, je l'ai pris en noir en L et il est incroyablement bien. Il est vraiment long, voilà, ça descend bien. Et c'est ça que j'aime. La qualité de tous les produits pour l'instant, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien
Là. Le prochain pantalon, il est incroyablement beau. Je sais que je vais dire qu'ils sont tous incroyablement beaux. Je kiffe tous les articles. Ce pantalon, il est dans mes favoris depuis un certain temps. Je me tâtais à le prendre parce que je me dis non, c'est obligé que la mannequin elle est petite. Et en fait, oh là là, mais je suis super surprise. Les styles, vraiment, quand tu cherches, tu trouves. Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne l'ai pas encore porté. La qualité, elle est... En plus, il descend bien. Et souvent sur Yastyle, les articles qui coûtent cher sont de très bonne qualité. Comme MP Studio, Lip Hop, cette marque. D'ailleurs, c'est une de mes marques favorites. Elle est trop trop bien. Il y a plein d'articles de fou, mais c'est assez cher. Et vraiment, ça en vaut le prix parce que les articles sont là. Hein. Next, on a cette petite ceinture que je porte avec cette robe. Cette robe est basique. Hein. Clairement, moi, je voulais la blanche, mais moi, j'ai pris la noire parce que j'ai vu que dans la vidéo de Clémentine M, elle est assez transparente. J'ai pris la noire. Elle est trop bien. Je l'aime beaucoup. Juste, elles sont toutes un peu courtes, les robes que j'ai pris. Parce que, encore une fois, les mannequins sont petites. Du coup, elles, ça leur va jusqu'à milieu cuisse, limite genou, tu vois. Mais moi, ça me va à milieu cuisse, t'as capté. Ensuite, on a cette petite robe. Oh mon Dieu. Parce que même si je la porte pas en soi, je voulais tester. Je ne mets jamais de robe. Je ne mets vraiment jamais de robe et du coup je ne sais pas pourquoi je ressens mon robe. Du coup j'ai pris et du coup j'aime bien. La matière c'est un peu une matière malbain. Cette robe bleue ça fait aussi un certain temps qu'elle est dans mes likes et je l'ai enfin pris. J'aime trop le bleu, c'est une de mes couleurs préférées. J'ai l'impression qu'elle aimerait elle ressort un peu violet. Vous la mettez avec des baskets et des chaussettes blanches montantes. L'avant-dernier article et ensuite c'est terminé. C'est cette magnifique robe bleue en soi-disant satin, mais ce n'est pas du satin. Elle brille beaucoup et tout. Elle est super belle. Par contre, la mannequin, elle avait des hyper grosses seins. Et du coup, sur elle, ça faisait trop, trop beau. Moi, je suis là pour tester, je suis une aventurière. Du coup, je l'ai mis et tout, ça va. Je l'ai pris en L et j'ai bien fait de la prendre en L, frère. Parce qu'elle est déjà très, très, très mini. Je sais pas ce que ça aurait donné en M ou en S. D'ailleurs, la marque de cette robe, ils vendent des super beaux habits, surtout des super belles robes. Le lien en barre d'infos, de toute façon. Et le dernier article, c'est un de mes favoris et c'est aussi un des plus mauvaises qualités carrées. Cette robe me rappelle les robes Jacquemus. Je ne sais pas laquelle exactement, mais ça me rappelle des robes Jacquemus. J'aime trop trop trop, elle est trop trop belle, mais un peu des fils partout, des petits défauts de fabrication, tu vois. Ça, j'aime pas trop trop. Mais en tout cas, la robe, elle est là. Du coup, les gars, c'est la fin de ma vidéo. Je suis trop contente d'avoir enfin fini ce haul. C'est un des hauls où je suis le plus satisfait de ma commande, clairement. Voilà, j'ai fait les petits derniers. T'aimes bien ou pas les try-on? En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, argumenter. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Activez la cloche de notification, s'il vous plaît. S'il vous plaît, activez la cloche. Parce qu'il y en a, ils sont là. Comment ça t'as sorti une vidéo il y a 2 semaines? Je suis pas au courant. Tu n'es pas au courant. Exactement. Parce que tu n'as pas activé la cloche. Donc active la cloche, abonne-toi, follow-moi sur Instagram et retrouve tous les liens en bas. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Yves Yastyle, mon code promis, en barre d'infos.